Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est le 9 avril 2012, il est 18h33 et il y a à peu près 10 minutes je suis tombé sur un shiny. Alors là ce que vous voyez c'est en fait le Pokédex. Donc là voilà je suis dans le Pokédex et donc en fait je chassais en double sur mes deux versions blanches un Pokémon dont on peut voir s'il est shiny par le Pokédex. Je vous propose de voir donc de constater qu'il s'agit de Fulguris. Voilà, donc vous voyez donc dans les formes vues, vous avez enfin vous voyez un forme différente vue et Pokémon chromatique vue 1. Donc faut savoir que j'ai déjà vu 2333 autres Fulguris dans lesquels le nombre de Pokémon chromatique vue était de 0. Donc celui-là a été le 2334e. Alors, je l'ai trouvé il y a à peu près 10 minutes et en fait, voilà. En fait, je suis disposé. Enfin, j'ai. Quand je chasse, en fait, je mets des morceaux de scotch sur les boutons L et R pour faire en sorte que je n'ai qu'à appuyer sur Start et Select pour faire les. Pour faire un reset. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on appuie sur L et R, on voit qu'en fait ça défile quoi. Enfin là vous voyez pas. Enfin, là on voit que ça défile en appuyant sur L et R. En fait, eh ben, quand il n'y a qu'une seule forme, bon, il ne se passe rien. Mais quand il y a le Pokémon chromatique qui est avec, en fait, eh ben ça change quoi. Donc ça c'est ce qui m'a indiqué le fait que. C'est en fait ce qui m'a annoncer le shiny en fait. Donc ouais c'est plutôt drôle comme façon de signaler un shiny, mais bon ça s'est passé comme ça. Bon c'est un vrai soulagement de le trouver parce que ça me permettra donc de libérer mes versions blanches pour pouvoir faire la SHTC. Voilà. Voilà, donc voilà, cette recherche est enfin terminée. Je vais pouvoir libérer mes deux versions blanches. Et je pourrai faire du trip sur les recherches que je veux faire pendant la SHTC. Donc ben, maintenant, nous allons passer à la capture. Nous allons passer à la capture. Alors, ben, je prépare pas grand-chose d'exceptionnel. Hein. Par contre, je sais pas si j'ai beaucoup de bol. C'est cette version blanche, je crois que c'est celle où j'en ai pas mal. Ouais, j'ai quelques balls sympathiques. Ouais, la super ball, pourquoi pas. Bah, je vais essayer avec les scuba balls en premier, et puis si elle rentre pas dedans, il sera dans une super ball. Je vais faire ça comme ça, j'en ai 79 super balls, normalement ça devrait le faire. Ensuite, au niveau de. Voilà. Ah ça y est, il arrive, on remonte un peu le sang, on remonte un peu le sang, et voilà la bête. N'est-il pas magnifique? Alors. Depuis tout le temps que j'attends ce moment où je peux enfin le capturer, ben on va y aller. J'ai pas tout prévu en fait. J'ai pas tout prévu. Ouais, parce qu'en fait, ouais, bon, c'est bien joli d'avoir regard noir et relais, mais en fait, je crois que relais ne fonctionne pas sur la scène du jeu. Enfin, avec regard noir, en fait, ça ne transmet pas regard noir avec. C'est un peu.
sais pas comment je vais faire. À moins que je fasse. Je suis pas sûr à chaque fois, mais. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais le faire fuir. Bon, je suis désolé de devoir faire ça. Bon, il fait anti-soin. Ça ne me dérange pas. Bon, au moins, il a la bonne idée. Ah, ben, je n'ai pas fauché non plus sur lui. Oh, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, allez, je l'endors avant qu'il fuit. Et vous pouvez aussi remarquer la logique de Nintendo qui laisse fuir des Pokémon endormis. Avec les belles étoiles, ça fait plaisir, franchement. Là, au change, une deuxième fois. Voilà, on va faire une deuxième fois. Pochage. Ouais, donc bon, on va le laisser comme ça, hein. On va laisser comme ça, je vais pouvoir mettre mon Kyurem en premier. Donc le Kyurem avec le Kyurem noir. Si vous me laissez m'en aller, ce serait pas mal. Allez, accélération. En ce moment, là. Ouais, je mettrai un autre son, genre du Delius. Donc, nous revoilà avec. Voilà, encore une fois les étoiles. Et c'est bien, ça permet de voir plusieurs fois les étoiles, donc en un sens, c'est plutôt bien. Alors. Je regarde noir. Non, comme ça, lui, il s'en va pas. Et. Bombardement de baba. On va commencer par les trois squabbles, s'il est rentré dans une d'elles. Non, pas dans la première visiblement. Peut-être dans la deuxième. Non plus. En même temps, ce sont des balles à tête capture de main, donc bon, j'espère pas trop le voir rentrer dedans. Elle a la voix depuis qu'un critical capture, sauf que ce n'est pas possible. Car je crois que je n'ai que 29 Pokémon dans le Pokédex. Donc, bah, pas de critical.
utilise hâte. Il faut pas qu'il utilise trop souvent parce que sinon il risque de perdre tout. Enfin bon, là en tissant il est obligé de le faire avant à cause de sa capacité spéciale parseur. Qui est fait tout le temps attaquer en premier si lorsqu'il s'agit d'une attaque non offensive. Ah, ce qui serait bien c'est le super pionnage, tiens. Juste au cas où. Il va... La capture va durer assez longtemps. Surtout qu'il veut pas vaciller. Parce qu'il est très méchant avec moi. La fin du soin. Je refais sport. Donc il refait axe. Bon, bon là j'ai pas voulu vraiment me préparer parce que bon c'est pas vraiment épique comme combat dans le sens où si on le fait de toute façon on peut recommencer puisque depuis qu'il est en liberté sous la forme chromatique il restera et comme j'ai sauvegardé une fois l'avoir mis en liberté et une fois avoir sécurité chromatique. Ben, j'ai plus qu'à recommencer si jamais j'ai failli, donc bon. Dans ce sens-là, c'est pas vraiment un combat épique. Enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'épique. Parce que si ça se trouve, ce sera même pas ce combat, vous verrez. Enfin bon, j'espère pas quand même, hein, j'espère. Capturer sur le premier coup quoi. Nous avons des superbes bruits extérieurs comme des voitures qui démarrent par exemple. C'est assez sympa. Un vacillement. Il se réveille, il fait vendetta. Et je prends cher. Je vais prendre méga cher. Avec un coup critique comme si ça ne suffisait pas. Il ne peut plus augmenter sa vitesse. Il ne peut plus augmenter sa vitesse. Il a sa vitesse déjà au maximum. Je vais faire un petit pionnage. Allez, une petite super bobole. Une super boule. Encore un vacillement, il n'en fera jamais trop. Onde de choc. Ouais. Le clone survit. Alors, visiblement, je reste quand même plus rapide que lui. Ce qui est assez. Ah ouais, il doit faire un vendetta, je pense. Et vendetta, je crois que c'est peut-être un dernier. C'est peut-être pour ça. Ça m'arrange bien, tiens. 1 et non toujours 1, pas 3. Excusez-moi, j'ai fait un réflexe. Voilà. Alors, je vais encore le rendormir. Et je crois que je vais
Disons faire une deuxième partie. Allez, à tout de suite.